Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. On va aller voir ce week-end quel est l'ange qui nous suit. À tous mes êtres. Oula. Ouh, l'ange des défis, le 4. Tantadam. Ok. Bon. Et ben on va peut-être se lancer un défi. Un défi de monter des escaliers. Oh, je pense qu'on devrait y arriver. L'ange de l'équilibre. Peut-être que vous avez besoin de vous lancer des défis, de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose qui vibre plus, un truc pas mal, quoi. On va aller prendre l'oracle de l'ama, qui est un gros oracle et qui est plein de messages et que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Voilà, il y a des noms comme il est beau, l'oracle de l'ama. Et puis, on va aller voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, j'espère qu'il fait beau chez vous, que vous avez un beau temps. Vous pouvez me dire en com. Hier, j'ai un temps pourri. Bon, moi, forcément, ça se rafraîchit, hein, logique, dans ma région. Ouh, pas cool, la traîtrise. Alors, le défi, ça va peut-être être de mettre en évidence cette traîtrise. Qui vous trahit? Vous trahissez quelqu'un ou quelqu'un vous trahit? Le défi, ça va être peut-être de le mettre en lumière, tout ça. Bon, super. Eh bien, tiens, c'est pas pour rien que j'avais sorti les portes de l'intuition. Ça commence bien ce week-end. Il y en a, ils vont déjà décrocher. Vas-y, c'est bon, la traîtrise, elle m'a saoulé. Je ne vais pas entendre ça, barre-toi. Eh ouais, mais c'est les messages. Ce que vous voulez. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je me dis. Oula, et là, j'en ai deux. Ben voilà, la renaissance. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on sort vraiment d'une situation où on nous a trahis, dupés, blessés, vous voyez. Je pense que c'est ça. Et on se met au défi d'aller vers quelque chose de différent parce qu'on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Vraiment de briller malgré les coups de poignard dans le dos, malgré les... Vous ne la voyez pas du tout si je la mets là, en fait. Si je la mets là. Bon, je ne sais pas si elle va tomber bien longtemps, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous la voyez. La renaissance. Et en d'autres decks, j'ai la maîtrise. Bon, bien. Ok. Très bien. On est parti. On va prendre le Lumina Tarot aujourd'hui. Parce que j'ai envie. Voilà. Et vu que je suis mes envies. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Qu'on allume ma vie. On m'a trop donné bien avant l'envie. Nanana. On se dirait les barges. Ce qui arrive sur ma chaîne, c'est normal. Hein. Ne vous inquiétez pas. Quels sont les messages pour ce week-end à tous mes êtres de lumière? Ah, on a le 6 de bâton. Regardez-moi ça si c'est pas bon. Regardez cette carte qui nous parle de. Qui nous parle pour le coup. De réussite. Alors là, c'est rigolo parce qu'elle ressemble vraiment à ce diamant qu'on voit dans la carte là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le fait de briller, d'être dans sa réussite, d'être dans sa victoire. Vraiment, on va. Ouais, c'est la réussite, quoi. Le fait de briller de l'intérieur, on va vers quelque chose qui nous correspond. Waouh, magnifique. On met la tour à l'envers. Alors ça, c'est beau. Je pense que vous avez passé une tour. C'est-à-dire quelque chose qui vous a sorti de votre zone de confort. Une traîtrise, une trahison, un coup de poignard dans le dos. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais je pense que ça, c'est du passé. Vous l'avez mis derrière et vous avez réussi à vous libérer et aller au-delà de ça. Ah, pour ceux qui sont restés, vous voyez, au final, c'est positif. J'ai la demoiselle d'épée. Vous avez appris des erreurs du passé. Vous avez appris des erreurs du passé, peut-être de mauvais choix que vous aviez fait, de vous être entouré peut-être pas des bonnes personnes. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et maintenant vous écoutez vos intuitions. Puis regardez, vous allez vers quoi? Le 4 de bâton. La stabilité. J'ai dit là, j'avais vu un 4. Le défi. Donc c'est peut-être ça le défi aussi. Hein. C'est d'être stable. C'est l'union, le mariage, le 4 de bâton. Mais c'est aussi le fait d'écouter ses désirs et d'être stable dans ce qu'on désire. Parce qu'on a appris du passé. Parce qu'on a eu une tour, c'est-à-dire quelque chose comme un coup de foudre qui nous a fait sortir de notre zone de confort, qui a fait crouler tout notre monde intérieur là. Parce que ça n'avait plus lieu d'être pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez?
C'est pour ça que vous êtes dans votre réussite. Qu'est-ce que j'ai en doute? Dès que j'ai encore le roi d'épée, décidément, ce roi d'épée, il aime bien être avec nous pendant mes tirages. Le roi d'épée qui me parle de couper, de trancher, d'autoritarisme, d'un patron, chef d'entreprise, vous voyez. Le roi d'épée, il est un petit peu là-dedans. Et le roi d'épée, il se positionne au niveau du mental, vous voyez. Il est sûr de lui, il sait où il va. Et toutes ces épreuves de vie vous apprennent à en être là, quoi, tout simplement. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Que si je les prends à l'envers, c'est mieux. Le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit sur le 6 de bâton? Sur la réussite. Le monde, waouh, vous avez un super tirage. Donc là, on vous parle de pouvoir vous ouvrir au monde, d'avoir le monde à vos pieds. C'est la plus belle carte du tarot, en fait, que vous sortez. Donc c'est cool. Parce que bah, vous êtes dans cette réussite. Donc la tour à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous a permis? Elle nous a permis de trouver ce qu'on désirait vraiment. C'est-à-dire, en gros, de savoir ce qu'on désire plus, qui n'a plus lieu d'être pour s'en libérer. Et c'est le but de la tour. Hein. La tour, elle a ça comme but, en fait. Hein. Juste nous faire bouger pour aller vers quelque chose de mieux, on va être au clair. On a le pape, on vous dit que vous êtes guidé pour apprendre de votre passé, pour apprendre à réfléchir différemment, pour apprendre à réfléchir en écoutant votre cœur et en pouvant matérialiser quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Il y a quelque chose qui vous prend la tête avec le 9 d'épée. Il y a cette notion de pape fort demeure. C'est peut-être un mariage, dans un mariage, quelque chose qui vous prend la tête pour certains, dans une union, dans un engagement, ou dans une union, dans un travail. Il y a quelque chose vraiment qui... c'est lourd au niveau de l'esprit. Mais ça ne m'inquiète pas parce qu'on va trancher, là, vous voyez. Avec le roi d'épée, on va s'en libérer. Bah, décidément, vraiment, il faut qu'on s'en libère, quoi. Hein. Là, je... voilà. Ça fait deux fois de suite qu'on vient. Vous avez travaillé pour ça. Ça fait deux fois de suite qu'on vous dit vraiment, il faut s'en libérer. J'ai deux fois le roi d'épée qui sort. Il faut couper, trancher avec un mental et puis aller vers quelque chose, bah, vers quelque chose qui vibre plus, vers l'amour, vers la joie, vers un nouveau projet, une nouvelle personne. Ok. Sur la réussite et le monde, qu'est-ce qu'on a pour compléter là? Écoutez, vous allez me sortir toutes les... C'est la plus belle carte de cet oracle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le miroir magique. Le miroir magique, c'est pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Voilà. À partir du moment où vous savez ce que vous désirez, vous êtes dans votre réussite personnelle et dans cette confiance intérieure, vous pouvez vous ouvrir au monde et matérialiser tout ce que vous voulez. Le miroir magique, c'est la chance, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance, la naissance, c'est les nouveaux projets, c'est les intuitions. Toutes ces cartes, elles sont recentrées sur celle-là. Donc c'est vraiment une super carte, quoi. On vous dit que là, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, matérialiser tout ce que vous voulez. Oui, il y avait peut-être des jalousies ou une triangulaire. On s'est peut-être là libéré d'une triangulaire ou d'énergie tierce qui était autour de vous. Peut-être est-ce ces énergies tierces qui vous ont mis mal à un point que vous avez dû sortir de cette situation. Je vois beaucoup de serpents là autour. Ça parle, ça piaille, c'est pas cool, vous voyez. Vous allez poser un verdict parce que vous êtes guidé. Il y a peut-être une notion aussi de verdict au tribunal, vous voyez, parce que vous écoutez votre cœur, votre âme, mais vous savez trancher en ce sens-là. Vous apprenez de la tour qui s'est pété la margoulette, des énergies tierces autour de vous. Vous avez appris tout ça pour trouver ce que vous désirez faire au fond de vous. Et vous allez pouvoir le matérialiser. Donc, on vous dit que vous êtes guidé aussi, si jamais il y a un procès. Et puis, de manière générale, on vous dit qu'il va y avoir un verdict pour moi positif pour vous. Voilà. Vous êtes à un carrefour et vous avez un choix à faire, en fait. Et là, le choix, il ne va pas être compliqué. Ça va être de choisir la stabilité, ce que vous désirez, et de trancher, de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Et là, ça va vous permettre de sortir d'un mental. Vous voyez, je vois un peu le 2 d'épée dans cette carte. On a du mal à se positionner, à faire un choix. Pourtant, je veux dire, c'est simple, quoi, quand on regarde la carte. Il y a le noir, il y a le bleu. C'est pas très engageant à gauche, c'est un peu plus engageant à droite, vous voyez. Mais il y a vraiment un positionnement à avoir. Vous allez avoir ce positionnement, parce que deux fois le roi d'épée, voilà. Derrière, on a quoi? On a la naissance, les nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Donc, on va vraiment vers quelque chose de différent, là. Et c'est cool. On va aller prendre, encore une fois, notre tarot de Marseille. Je m'en lasse plus de mon tarot de Marseille. Vous avez remarqué que je m'en lasse plus? En fait, je l'ai retrouvé. Je ne savais pas où il était, je l'ai retrouvé. Et du coup, c'est cool. Voilà. En plus, il est tout neuf. Quels sont les conseils, là, pour ce week-end? Ouh! Bon, ben, on vous conseille encore une introspection avec le 8 de coupe. Hein. On vous conseille d'aller voir à l'intérieur de votre cœur et de votre âme pour voir qu'est-ce que vous voulez matérialiser exactement. Voilà. Et pour être dans cette réussite. C'est le conseil qu'on vous donne.
Quel autre conseil on nous donne? Ah, le pendu. De pas forcément passer à l'action tout de suite, mais de réfléchir à comment le faire. Voilà. Le pendu, en carte conseil, va nous dire qu'il faut que vous ayez les idées claires. Parce que même s'il est pendu par les pieds, le pendu, il a les idées claires. C'est-à-dire qu'il sait où il va. Vous voyez, il s'est dépouillé de tout et de tout ce qui ne lui correspondait plus. Et il est mis à nu, un peu le pendu, vous voyez. Pendu par les pieds, la tête en bas, mais très éclairé. Il sait exactement ce qu'il a dans sa tête, où il doit aller. Par contre, ce n'est pas une carte d'action. Vous voyez, là, on vient de se prendre une tour il n'y a pas très longtemps. Donc, on vous rassure, on vous dit, vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez à partir du moment où vous allez faire cette introspection pour ne pas reproduire les mêmes schémas karmiques du passé. Vous vous libérez de cette tour, vous trouvez ce qui vibre en vous, vous libérez d'énergie négative, de tierces énergies, etc., d'une triangulaire ou autre, mais vous êtes un petit peu bloqué, voyez. Mais bloqué, j'ai l'impression que c'est volontaire. Vous vous bloquez pour ne pas aller trop vite, en fait, parce que vous avez besoin d'apprendre de ce passé, vous comprenez, d'être guidé pour ensuite poser un verdict et avancer. Donc, en gros, cette carte vous dit « prenez le temps ». Le 5 d'épée. Là, il faut sortir des conflits. Le 5 de bâton, autant pour moi. Donc, je ne suis pas du tout les conflits. Si, ça revient un peu au même avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est sortir des... Il faut aller organiser, en fait. Vous avez besoin d'organiser vos désirs. C'est un peu le cafouillis. C'est un peu le bazar dans votre tête, voyez. Donc, on vous dit... C'est pour ça qu'on a le pendu. Faites cette introspection, prenez le temps de savoir ce que vous désirez, comment vous voulez le matérialiser, prenez le temps de faire les choses pas à pas pour aller vous équilibrer, pour aller équilibrer tout ça. Bon, quel est le conseil final? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de trahison, de blessure et tac, il tombe à l'envers. Donc, libérez-vous vraiment. C'est la traîtrise, la trahison. On vous dit, excusez-moi, j'ai un appel, hop. On vous dit, libérez-vous de cette trahison, vous voyez. Libérez-vous de personnes qui vous ont trahi, dupé, blessé, qui vous ont mis des coups de poignard dans le dos, quoi. Libérez-vous d'un passé, libérez-vous de ça. Et là, en carte conseil, j'ai le diable. Alors, le diable, vous allez me dire, en carte conseil, elle n'est pas négative, elle n'est pas positive, Claire. Derrière, j'ai le monde. Eh bien, en fait, si. Si, pourquoi? Parce que le diable, en carte positive, c'est prendre conscience que nous sommes les seuls à nous bloquer dans notre vie. Si vous voulez, ils peuvent très bien se débloquer comme ils veulent, là, les deux petits. Hein. Vous voyez, ils sont pas, c'est pas non plus la fin des haricots, quoi. Puis d'ailleurs, ils sont deux, ils pourraient se les enlever, hein, les chaînes. Mais leur tête leur dit que non. Donc, c'est vraiment libérer un mental ou se libérer de personnes comme ça. Le diable, dans sa version positive, parce qu'il a quand même une version positive, le diable, c'est qu'il avance vite. Il avance vite avec une énergie de feu. Il est limite inarrêtable, le diable, vous voyez. Donc ça, on vous conseille vraiment de prendre le problème à bras le corps, là, et d'aller vous libérer d'un passé, libérer de ce qui ne vous correspond plus, libérer de personnes jalouses, de tierces énergies, de personnes qui vous ont trahi, dupé, blessé, trompé. Là, c'est stop. On va vers quelque chose de nouveau. Et on se libère, on sort et on enlève nos propres chaînes internes, en fait, qui sont ce 9 d'épée, et qui va bloquer notre mental, vous voyez, ce 7 d'épée qui nous parle de traîtrise, de coups de poignard dans le dos. Donc là, on va pouvoir libérer tout ça. On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Ouais, j'ai envie. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges et archanges, quels sont les messages au niveau sentimental? Le 4 de coupe, l'indifférence. Alors là, les affaires de cœur, on ne va pas trop avoir envie d'en entendre parler. Mais, parce qu'on vient tout juste de se stabiliser au niveau de notre âme. Donc, il nous faut un peu de temps, quoi. Vous voyez, c'est... doucement, mais sûrement, tranquille. Hein. Je ne dis pas que je ne voudrais plus jamais, mais voilà. On nous parle d'un cavalier d'épée qui vient essayer de nous convaincre. Ça peut être une personne du passé qui essaye de nous convaincre de revenir avec vous, ou en tout cas de courtisan ou de courtisane. Je ne sais pas si ça se dit, des courtisanes. Est-ce qu'une femme peut courtiser? Oui, une femme peut courtiser. Ça devrait se dire comme ça. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire. En tout cas, de personnes qui vont essayer de vous courtiser, qui vont venir vers vous, essayer de vous convaincre, voyez, de faire une relation avec vous ou autre. Regardez là, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton qui nous dit qu'encore une fois, là, vous allez trouver votre stabilité au niveau sentimental et émotionnel. Vous allez trouver peut-être la bonne personne pour vous.
Et j'ai encore ce roi d'épée. Vous allez, pour moi, vous allez trouver qu'il faut couper un tranché. Hein. Alors, soit vous trouvez un homme, mais qui est quand même assez rigide. Hein. Le roi d'épée, c'est un patron, chef d'entreprise, il est quand même assez rigide. Hein. Il est posé, vous voyez, c'est le guerrier, quoi. Il est vraiment... soit vous trouvez ce roi d'épée, soit vraiment vous allez être indifférent par rapport à ce roi d'épée. On va aller compléter quand même. Ouais, vous allez plus vers le chevalier de bâton, là, qui avance avec le désir, la passion, la fougue. En tout cas, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est du feu. Hein. Le diable, on vous conseille vraiment d'être dans cette énergie de feu et de vous libérer de votre mental, parce que même au niveau sentimental, vous allez avancer avec cette énergie de feu. Vous voyez, elle va venir se matérialiser. Le feu, c'est la passion, c'est les désirs, c'est... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le désir. Je vais essayer de compléter, j'espère que vous allez voir, sinon je remonterai les cartes. Ah, regardez. J'ai encore une fois un cavalier qui vient vers vous. Un cavalier de cœur, un cavalier d'amour pour un nouveau départ. Mais alors vous, vous allez rester complètement indifférent ou indifférente. Cavalier ou une cavalière, hein. Vous prenez ce qui vibre en vous. Ouais. Là, il y a une personne qui va essayer de vous convaincre qu'elle vous a choisi. Choisis-vous. Voilà. Alors après, la décision que vous allez prendre... On va continuer à compléter. Il y a quand même la naissance, le fait d'être guidé avec la cigogne pour un nouveau départ. Peut-être par rapport à des enfants aussi. Il y a vraiment cette notion de trouver quelque chose de nouveau. Vous avez trouvé quelque chose de nouveau. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. J'avais quand même le soin, la fidélité et le lys, ce qui est pas mal. Ah oui, les communications. Il y a des communications qui vont être mises en place avec une polarité de roi d'épée, ou alors vous qui prenez cette polarité de roi d'épée qui avait besoin de communiquer clairement pour couper, pour trancher avec une personne. En tout cas, derrière, on vous parle de légèreté, de communication. Il y a de la communication qui va se mettre en place et j'ai l'impression que c'est pour le grand bien de tout le monde, là. On va aller prendre un message de votre âme. Bah, dis donc. Faire en conscience. Elle ressort beaucoup ces cartes en ce moment avec vraiment le troisième œil toujours là. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, on est dans la pleine conscience, dans l'instant présent. Et quand on est dans la pleine conscience, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que vous amène à faire votre âme. Pourquoi? Parce que ça va vous libérer le mental, en fait. Le 9 d'épée qui vous empêche de dormir et autres. Quand vous êtes dans la pleine conscience, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Pas de passé, pas d'avenir. Fallait que je la fasse. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. On est vraiment dans cet instant, à ce moment-là. Et au final... Bah, tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va toujours bien dans l'instant présent. Vous voyez, souvent ce qui nous stresse, c'est bah, dans le passé, il s'est passé ça, 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 j'ai des blessures d'âme, bah là, dans l'avenir, il va se passer ça, mais est-ce qu'il va faire ceci ou est-ce qu'elle va faire cela? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous, quand j'ai dit, well, c'est pas forcément du sentimental, ça peut parler d'un patron, de famille, vous voyez, on est dans ces projections. Et au final, on ne vit pas l'instant présent. Et du coup, c'est beaucoup plus lourd à vivre que si on s'inscrit dans cet instant présent et qu'on avance pas à pas dans cet instant présent en profitant, en le vivant pleinement, en sentant. Je veux dire, ça peut être... Moi, là, je vais tirer les cartes, je sens les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens la texture, je sens l'épaisseur des cartes, il y a l'odeur, il y a... On se reconnecte aussi à son corps et à tout ça. Et ça permet d'aller vers quelque chose de différent. C'est un défi, effectivement, de sortir d'un mental. Hein. On va être au clair, hein. Mais je pense que vous allez largement y arriver. Voilà pour ce tirage, mes loulous. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, bien entendu. Souscrire à la chaîne et mettre des notifications. Comme ça, vous pouvez avoir dans la communauté quand je fais les cartes, des âmes et autres. Et puis, des nouvelles vidéos qui sortent. Je vous embrasse fort. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.